J'adore le mois de mai au jardin parce que ça évolue et ça change tous les jours. Alors voilà notre magnifique Cornus Vénus qui commence tout juste sa floraison avec ses fleurs qui vont être immenses à 4 pétales et blanc crème. Et puis alors ça, ce sont les géraniums vivaces. J'en ai mis un peu partout. Il y en a des blancs, des bleus, des roses, des rouges. Et ça fleurit très longtemps. Certains fleurissent jusqu'à l'automne. Je vais vous montrer notre magnifique iris mer du Sud avec un bleu incroyable. Ils sont vraiment splendides. Le bouton est presque noir et ils sont très très beaux. Alors voilà Belle de Nuit, c'est un iris que j'adore parce qu'il fleurisse tôt comme tous les iris et il est délicieusement parfumé. Alors là, mes magnifiques alliums sont vraiment pas en retard cette année. Et puis ça, on reviendra le voir, c'est un iris quasiment noir. Et là, une autre vivace que j'adore, ce sont les lupins. Ça commence, il va y avoir plein de fleurs cette année. Et voilà notre coq, Fuji, qui se promène. Ça va, pépère? Et voilà nos petits poussins qui continuent de bien grandir. Et d'ailleurs, on est en train de leur construire un grand poulailler. Alors là, je viens les vérifier tous les jours, sont mes framboises. J'ai vraiment hâte qu'elles mûrissent. Et là, voilà une magnifique clématite qu'on fait courir dans un pommier. En parlant de pommier, on voit, là, regardez, elles sont vraiment tout au début, hein, là, nos petites pommes. Et puisqu'on parle de début, eh bien, venez, je vais vous montrer autre chose. Et là, voilà le mur de figuier. Les jeunes figues sont déjà là. Et heureusement pour moi, à la fin de l'été, il y en aura un peu plus que deux.